L'aventure de la ferme fruitière Roedgerberg a commencé au XVIe siècle. D'abord vigneron, la famille se lance dans l'arboriculture dans les années 60. Paysans avant tout, Timothée et Philippe continuent de perpétuer la tradition avec 20 hectares de pommiers, non loin de la route des vins. Nous produisons en général entre 600 et 800 tonnes de pommes, de la Gala, de la Golden, de la Boscope, mais aussi entre autres de la Rubinette, de la Mérac. Il y a des choses nouvelles que nous avons amenées en Alsace, c'est-à-dire la pomme sanguine, il y a maintenant bientôt une quinzaine d'années, ce qui nous fait aujourd'hui une globalité d'une vingtaine de variétés de pommes. Après la cueillette, les pommes sont stockées en frigo et sont distribuées en fruits de bouche ou en jus de fruits. Philippe, mon frère, et moi-même sommes rentrés sur la ferme dans les années 90 et avons développé un atelier de jus de fruits pour pouvoir élargir notre gamme et aussi pouvoir faire vivre deux familles sur l'exploitation agricole. En jus de fruits, nous proposons une quinzaine de variétés, surtout à base de pommes. Il y a maintenant un an, notre point de vente à la ferme a été élargi. Nous avons Thierry Schweitzer, le paysan charcutier qui nous a rejoint, mais nous proposons également toutes sortes de légumes régionaux et de produits annexes de petits producteurs alsaciens.